arrive à boucler le tour? Alors financièrement, on a soupé tout cadre, on organise au mois de février chaque année. On a des personnes qui viennent spontanément nous voir, et ça je trouve vraiment merveilleux. C'est que simplement des personnes qui sont motivées par la race Franche-Montagne, je dirais, qui viennent nous voir, et puis ben, ils nous donnent une enveloppe, une petite, une moyenne, une énorme. Donc c'est vraiment extraordinaire d'avoir des gens comme ça. Et Sandra Jardonos dans l'obstacle numéro 3. J'aimerais juste te demander encore, sur le plan international, comment les autres meneurs voient nos Franche-Montagne? Est-ce que pour eux, tu es l'extraterrestre, ou bien est-ce que maintenant, ils commencent à se dire que c'est des chevaux sur lesquels on peut compter, et que c'est des chevaux qui vaudraient peut-être la peine...